que non, les grenades ne peuvent pas produire en Afrique. Ce sont des cultures européennes adaptées au climat européen. En Afrique, il fait trop chaud. Ça ne va pas produire. Ça ne va pas fleurir. Nanani, nanana. Voilà donc deux plants de grenadiers en pleine production au Cameroun, en plein cœur de Yaoundé, dans le quartier d'Ingousso ou alors Hôtel Le Paradis. Okay, vous voyez ce plant de grenadier. Voilà juste son frère à côté. Et il porte des fruits. C'est vrai que les fruits ne sont pas encore mûrs, mais les fruits sont là. Et nous tous, nous pouvons l'observer. Et ce n'est pas la première production de ces plantes. Et là même, nous sommes encore à la petite saison. Vous voyez, c'est pourquoi vous voyez que l'arbre n'est pas bondé de fruits. Vous voyez les fruits partout. Et pendant que d'autres fruits sont en train de se former, de grossir, on a des fleurs qui continuent d'apparaître. Vous voyez, regardez tous ces fruits-là. Et vous-même, vous pouvez constater avec moi que ces arbres-là sont même mal entretenus, ok? Parce que si ces arbres étaient bien entretenus, la fructification devait être bien plus supérieure à ce qu'on peut observer là. Vous voyez ce petit fruit? Là, il est encore en train de se former, il est en train de grossir. Voilà un jeune grenadier qui d'ici 1 mois, 2 mois sera consommable. Et pour que personne ne dise que non, c'est le mensonge, je me voilà moi-même en personne. Oui.